Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Ah, ben c'est Mamie Minou qui est toujours dans son beau livre de contes avec notre belle petite souris gentille et aventurière, Cricri. Qui vous souvenez-vous qu'est-ce qu'elle faisait la dernière fois? Elle était en plein campement, elle s'était montée sa petite tente dans la forêt, elle avait fait un beau dodo malgré qu'elle avait eu peur un moment donné parce qu'elle avait rencontré un monsieur le puma, mais le plus important, c'est qu'elle avait rencontré Rosie, vous souvenez-vous de Rosie? Rosie le Bambi, hein? Rosie le Bambi, qui lui avait dit que peut-être qu'elle avait peut-être déjà vu le volage de bébés animaux de nos trois petites amies au début, la vache, le cochon et la chèvre. Oh my God! Alors, Cricri, écoutant son amie Rosie le matin, elle se lève. Oh, que j'ai bien dormi, que j'ai bien dormi, les petits oiseaux gazouillent. C'est peut-être le temps de me faire un bon petit déjeuner. Qu'est-ce que vous pensez, les amis, que Cricri va manger pour le déjeuner? Des carottes? Mais non, pas pour le déjeuner. Du chocolat. Mais voyons donc, on mange pas de chocolat le matin. Voyons. Du jus de kiki tout petit pitou. Que c'est ça? Mais non, Cricri a s'est apporté des céréales avec du lait sèche, du lait en poudre. Comme ça, elle a juste à ajouter de l'eau, puis ça fait tout le beau petit lait qu'elle peut mettre dans ses céréales, puis elle s'est apporté des fruits. Mais hey, un instant, là, savez-vous qu'est-ce que Cricri a trouvé autour de la tente? Elle a trouvé des petits arbres avec des framboises dedans. Fait qu'elle est allée en accueillir, puis avec ses céréales, elle peut manger des framboises. C'est tout dans son bedon. Savez-vous pourquoi Cricri, elle a pris un bon déjeuner ce matin? Mais moi, je vais vous le dire pourquoi. Cricri, elle a besoin de toutes ses forces, toutes ses muscles dans ses bras, dans ses jambes, puis surtout d'avoir sa tête complètement claire, avec plein d'idées, pour grimper aujourd'hui les rocheuses, les grandes rocheuses canadiennes. Regardez à quoi ça ressemble. C'est des grandes montagnes. Voyez-vous les grosses montagnes avec la neige au-dessus? Oh! Puis notre ami Cricri va aussi devoir nager ou faire le tour de lacs et de rivières. C'est des grosses aventures qui attendent notre ami. Alors, après le déjeuner, notre ami met toute sa tente dans son sac à dos, son matelas, ses couvertures pour le dodo, range tout comme il faut et hop, on met ça sur le dos. Et puis notre ami part à l'escalade. C'est encore une belle journée, il fait un beau soleil et pas trop chaud. Mais là, au début, ça va. Écoute, elle marche beaucoup, elle passe dans les foins, hein, les grandes herbes. Puis là, à un moment donné, ça commence à monter. Fait que là, notre ami, quand elle marche longtemps, savez-vous ce qui est important? Gour, 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 gour. Il faut boire beaucoup d'eau. Parce que des fois, avec le soleil, puis en marchant longtemps, on est déshydraté, donc il faut boire de l'eau. Alors, Cricri, c'est énervé, elle prend trop d'eau. Et puis là, elle continue. Et puis, tout d'un coup, elle se souvient ce que Rosie, elle lui a dit. Oh! Elle dit, c'est peut-être que je faudrais sauver du temps, il faudrait que je rencontre Biquette, la chèvre de montagne, mais je la vois pas, puis je crains. Puis là, tout d'un coup, elle entend. Et là, tout d'un coup, la voix, c'est Biquette. Ah, c'est moi, Biquette. Je suis sûre que j'ai vu le voleur d'animaux. Je vais aider Cricri à monter, vite! Oh, c'est Biquette qui s'en vient, c'est Biquette. La voyez-vous, c'est Biquette. Regardez, elle monte dans les montagnes ici, là. Elle monte dans les montagnes, tchou, tchou, tchou. Elle monte vite. Elle saute, tchou, 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 tchou. Et là, tout d'un coup, elle voit notre amie Cricri. Ah. Bonjour, mademoiselle la souris. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Êtes-vous perdue? Ah, ben non, moi, je ne suis pas perdue. J'ai décidé de partir à l'aventure, de découvrir le monde. Mais pour l'instant, je veux voir les rocheuses canadiennes. Mais ce qui est très important, c'est qu'on m'a donné une mission.
je dois retrouver des petits bébés vaches, cochons et chèvres qui ont été volés par un mauvais monsieur malsain, pas gentil du tout. Oh, Biquette, dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais peut-être vu ce monsieur-là. Montrez-moi la photo. Un instant. On montre la photo. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais oui, mais oui, mais oui, Cricri, j'ai déjà vu ce sale, ce monsieur parfait. Je vais vous aider. Il a passé au travers les montagnes juste hier. Vous le suivez, mais ça, vous avez peut-être une journée. Alors vite, montez sur mon dos et nous allons partir à travers les montagnes. Vite, 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 vite. Nous allons grimper sur les montagnes. Ah, vite, vite, vite. Nous allons aller en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Et là, c'est comme ça qu'elle s'est passée sa journée. Cricri est grimpé sur le dos de Biquette parce que Biquette, poing, 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 a sauté sur les montagnes, puis elle allait vite, puis elle tombait pas. Et puis vous saviez, vous souvenez-vous que je vous ai dit au début pour Cricri, elle a le vertige. Vous savez-vous? Le vertige, ça veut dire que quand elle va haut, 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 puis si elle regarde en bas, ah, elle a peur. Alors, au moins, sur le dos de Biquette, elle avait moins peur, mais pendant qu'elle grimpait, saviez-vous qu'est-ce que Cricri a fait? Elle a fermé ses yeux pour pas voir partout. Et puis, arrivée en haut de la montagne, son amie Biquette lui a dit, « Allez, c'est par ce chantier-là que le monsieur parfait est parti. Alors, tu vas certainement rencontrer des animaux bizarres dans la forêt en haut qui vont pouvoir aussi t'aider à continuer ta route puis peut-être aussi te montrer où est ce monsieur parfait-là. » Alors, Cricri, toute contente, remet son sac à dos. Et puis là, ben, elle a décidé de sortir ses bottes parce qu'elle est dans la neige en haut. Vous vous souvenez? Regardez dans les montagnes ici, là. Il y a de la neige, hein? Sur les hauts, là, c'est tout blanc. Et elle a mis son manteau, ses petites bottes, sa tuque puis ses mitaines. Puis là, elle part à l'aventure et tout d'un coup, oh, c'est la tempête de neige qui commence. Mais savez-vous quoi? On va donner une petite pause et on va continuer notre histoire une autre soirée parce que là, c'est l'heure du dodo. Et n'oubliez pas, moi, je vérifie avec papa et maman si vous êtes bien sage et bien gentil et surtout que vous mangez toutes vos assiettes, eh bien, il y aura d'autres histoires de Cricri qui vont continuer. Alors, ne manquez pas ça. Je vous aime. À bientôt. Ici Mamie Minou. Bye bye.